Hello, it's Bruce. What you're about to watch is one of two interviews I did while in Benin, Africa, February 2017. According to my YouTube stats, most of my viewers are from Europe and the United States. So many of you may have wondered what it's like in parts of West Africa. What would a regular person have to say? I know I have. Bonjour! Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Ah, on m'appelle François Alessandre. Oui. Pouvez-vous vous présenter, nous donner votre nom, votre âge et d'où venez-vous? Moi, on m'appelle Tofonso Gbegbelegbe Philippe. J'ai 50 ans. Je suis natif de Toroué. Suis natif de Toroué étant donné que mon papa est de Toroué, ma maman est de Toroué. D'accord? Donc, je suis natif de Toroué. Profession? Je suis enseignant. Je suis professeur d'histoire géographie. Cette année, j'ai été affecté au CEG Djeregbe. Donc, présentement, je suis au poste au CEG Djeregbe. Merci voilà. Beaucoup. Donc, je suis professeur d'histoire géo. Je suis enseignant. Pouvez-vous nous parler de Toroué? Toroué, comment? Oui. Comment c'est venu? Toroué. L'histoire de Toroué. L'histoire de Toroué, ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps étant donné que, d'abord, nous allons partir du nom. D'accord, qui est Toroué même. Au fait, ce sont des gens qui sont venus de Ganvier, de Sotianhoué, enfin, sur l'eau. D'accord, ils ont suivi l'eau. Vous savez que le fleuve, d'accord, Ouémé, continue jusqu'au Nigeria. D'accord, donc quand ils sont venus, ils ont trouvé un passage qui montait vers le village, d'accord, vers la terre ferme. Et donc, à partir de là, quand ils sont descendus sur la terre ferme, d'accord, et c'était les gens qui ont quitté Sotianhoué là-bas, d'accord, et quand ils sont venus, ils ont dit « Mianotoheae », c'est-à-dire on va rester à côté de l'eau. Dans leur langue. Oui, dans leur langue. D'accord. Mia no tokeae, mina no toekpa. Mina no tokpa filé. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc, c'est à partir de là, mia no tokeae, et c'est là où toke est parti. Et avec les transformations linguistiques, c'est devenu Toroué. Donc, c'est l'histoire, c'est comme ça que Toroué. Mais. Disons que le village Toroué, c'est depuis le temps de certains rois. Parce que Tofa a connu Toroué. Béanzin a connu Toroué. D'accord? Ce sont des grands rois qui ont connu Toroué. Comment? Quand je prends Daroumengblé, là où nous appelons Daoumengblé, Maïs, qui a couvert aujourd'hui et Maïs, tout ça là, il y a eu une guerre qui s'est passée là. Vraiment? Vraiment. C'est un site touristique que les gens ont négligé. Que les gens ont négligé. Parce qu'il y a eu une guerre qui s'est passée à ce niveau. Hein? Les gens de Abomé, c'est-à-dire les guerriers de Béanzin, d'accord, qui sont partis combattus au Nigeria, d'accord, face aux gens de Oyo et autres, eh bien, quand ils revenaient, eh bien, il y a eu une embuscade à ce niveau, parce que les gens de Tofa étaient là. Là, c'était une douane en quelque sorte. Denou, on appelait ça Denou. Est-ce que je me fais comprendre? On appelait ça Denou. Et donc, ils se sont rencontrés là. Et les gens de Béanzin et d'Abomé ne s'attendaient pas à ça.
Et donc, les gens de Porte-Novo les ont massacrés. Et c'est ça qui a été le nom qu'on a donné à cette localité, Dankomengble. Il y a eu massacre. Il y a eu une massacre à ce niveau-là, Dankomengble. Ça veut dire que les gens de Dankomengble étaient massacrés à ce niveau-là, Dankomengble. Mais vous savez, il y a tellement d'histoires de choses-là dans nos localités que, bon, on a eu le temps d'oublier ceci. Mais c'était une réalité. Voyez-vous? Donc, cette localité existait avant Béhanzin, avant Tofa. Alors, lorsque je parle de Béhanzin, d'accord, et que je parle de Tofa, ça fait les années 1800. D'accord. Ça veut dire que si nous devons faire l'historique de Tohoué, nous devons remonter dans les années 1700. D'accord. C'est dans les années 1700 que les gens de Sotianhué et autres sont venus et se sont installés ici. Mais ici, Tohoué n'était pas la première localité où ils se sont installés. Ils se sont installés déjà à Dia. D'accord. Dia était plus direct que Tohoué. Donc ils se sont installés à Dia et c'est après ça qu'ils sont venus à Tohoué. Et Tohoué a connu le développement. Parce que, bon, très vite, les gens de Tohoué ont mis leurs enfants à l'école, tout ça là. Et Tohoué a connu le développement qu'il fallait. Voilà. Très bien. À part ça, aujourd'hui, maintenant, on voit qu'il y a une route, même goudronnée. Bien sûr. Qui passe par Tohoué. Oui. Maintenant, la nouvelle route qui est venue, comment vous voyez ça? Oh, parlez de ça. Très honnêtement, c'est bon. C'est très bon. Nous avons une route, mais ce n'est pas ce qu'on espérait. Ce n'est pas ce qu'on espérait parce que il va falloir que nous disions vraiment notre ressentiment. On nous avait parlé de deux routes, c'est-à-dire autoroute, deux voies. Parce que ça va vers la frontière. Va vers la frontière, voilà, merci beaucoup. D'accord? Quand vous prenez la route de Kraké, de Semekraké là-bas, c'est deux routes. Et c'est ce qu'on nous avait dit, et c'est sur ça qu'on nous avait sensibilisé. Et la population a adhéré à ce projet-là. Mais bizarrement, on nous a fait une route, une petite route encore. Et ce n'est pas ce que nous espérons. Nous sommes déçus. La population de Tohoué, la population de Djerégbé, de Sogor, de Owodé, de Dja, de Arlomé, de Ayokpo, nous sommes tous déçus. Il faut dire la vérité. Les gens se demandent aujourd'hui, mais à quoi ça sert? Dans la mesure où cette route-là ne nous permet même pas, quand deux voitures se rencontrent, c'est des accidents. Nous enregistrons tellement d'accidents sur notre route que vraiment aujourd'hui on se demande à quoi ça sert. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Nous n'allons pas refuser. Et je me rappelle au temps de quand le président Soglo était monté au pouvoir, il y avait un adage qui disait, hein, prends un, vaut mieux que deux, tu auras. Prends un, vaut mieux que deux, tu auras. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà. Donc, nous acceptons, mais il faut que le gouvernement pense à revoir cette voie-là. Nous ne méritons pas une voie si petite que ça. Ça ne mérite même... Lorsque vous allez à Kaké-Plage, hein, et que vous voyez une seule voie, c'est plus large que ce qu'on nous a fabriqué ici. D'accord? Donc, il faut qu'on pense à revoir notre voie. Si c'est pour élargir, ou bien si c'est pour nous faire l'autoroute, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Tohoué ne mérite pas ça. Tohoué, c'est une histoire. Talon, le président de la République, sait que Tohoué, c'est une histoire. Il connaît Tohoué. Il ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas Tohoué.
Il connaît ton quoi. Donc, il n'a qu'à venir pour voir ce qu'on nous a fabriqué ici. Je félicite beaucoup le président Yaiboni qui a pris la décision de nous faire cette route-là. Même si aujourd'hui, cette route est petite, Yaiboni, c'est lui l'initiateur. Merci. Nous voulons savoir en plus si c'est la route qui a occasionné le décapissement dont nous voyons aujourd'hui. On a cassé un peu les choses là. Non, le problème de décapissement est différent. Ce n'est pas la même chose. Au fait, quand ils voulaient faire la route, ils nous avaient dit, je t'ai dit que c'était deux routes, c'était une autoroute, d'accord? Et ils avaient mis des gens dedans, qu'on devait dédommager, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'à un moment donné, ils ont réduit ça à une seule voie. D'accord? Maintenant, le déguerpissement est national. Ce n'est pas seulement pour Tohoué. Ce n'est pas seulement pour Tohoué. Le déguerpissement, c'est partout au Bénin. Où il peut y avoir, c'est-à-dire... On veut dégager l'espace de l'État. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? On veut dégager l'espace de l'État. Nous sommes d'accord, ça nous a fait mal. Parce que nous, on était là, bien avant ça. Maintenant, on est venu, on a tout cassé. Ça nous a fait mal, mais nous ne pouvons rien. Nous sommes obligés, nous sommes des citoyens, nous sommes béninois. Nous sommes obligés de respecter ça. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, le déguerpissement qui se passe, tout ce qui se passe maintenant là, n'a rien à voir avec la route. La route est là, mais nous sommes obligés de quitter. Parce qu'ils ont un cadre, ils ont dit d'abord les critères, il faut quitter le courant, la retention, mais il y a un espace de l'État également qu'il faut respecter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, que souhaitez-vous améliorer dans le village? Au niveau de Tohoué? Beaucoup de choses. Tohoué, c'est un ancien village. Tohoué, c'est un ancien village. Tohoué mérite plus que ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai, nous avons déjà la route. C'est bon. Mais la route n'est pas suffisante. Encore que cette route-là est trop petite. Mais le lotissement. Il faut que Tohoué finalement fasse son lotissement et que nous ayons des espaces. Voilà. Espaces pour nos écoles. D'accord? Espaces pour nos centres culturels. Espaces pour nos marchés. Il faut que Tohoué quitte l'étape où elle est aujourd'hui. Nous n'avons même pas... Regardez, lorsque vous quittez Djeregbe et que vous venez, que vous allez à Odé, il n'y a même pas de lampadaire. Il faut arriver à Tohoué avant de trouver de lampadaire. La route, il n'y a que de braquage. À tout moment, il y a de braquage sur notre route. Or, aujourd'hui, nous faisons la promotion de l'énergie solaire. Nous sommes d'accord? Donc, il faut qu'on nous amène au moins cette énergie-là. De Djeregbe jusqu'à Odé. Qu'on installe des lampadaires solaires. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens quittent Dia, Arlom et partout pour venir à l'école à Tohoué. Le seul collège que nous avons est déjà trop rempli. L'effectif est pléthorique. Il faut qu'on crée un autre collège dans notre localité. D'accord? Nous avons besoin d'autres collèges. Nous avons besoin d'autres écoles primaires. Nous avons besoin de marchés. Nos femmes, d'accord, ont besoin de l'argent pour faire leurs affaires. Il n'y en a pas.
Ce qui m'étonne, ce qui m'écœure, je vais dire m'écœure, c'est surtout le fait que nous sommes à côté d'un marécage et on n'en profite pas. On n'en profite pas. Hein? Il faut que l'État central ou les partenaires au développement, d'accord, pensent que Tokwe, c'est un site où beaucoup de choses peuvent se faire. Un projet de maraîcher, de jardinage, où on va faire la culture, on va faire le jardinage. C'est possible à Tokwe. L'autre chose que, c'est vrai, les gens de Tokwe n'aiment pas trop qu'on en parle, mais moi, je vais en parler. C'est le problème de carrière. D'accord? Il faut que l'État nous aide à supprimer, à éliminer cette affaire de carrière qui se passe à Tokwe. L'environnement. À quoi ça sert? Ça ne sert pratiquement à rien. Regardez, quand je vais de l'autre côté, eh bien, c'est des trous. Sur des dizaines de mètres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Il faut que, c'est vrai, nous, cadres de Tokwe, nous avons commencé une action. Mais c'est, si l'État ne nous accompagne pas, nous allons toujours échouer. Est-ce que je me fais comprendre? Nous allons toujours échouer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez là-bas, eh bien, c'est des trous un peu partout. Je souhaiterais que votre équipe de reportage, tout ça là, que vous alliez là-bas, que vous filmez ce qui se passe là-bas. C'est des trous. Alors, le séisme, ce n'est pas loin de nous. Ce n'est pas loin de nous. Des gens sont morts, des gens sont déjà morts, excusez-moi, des gens sont déjà morts dans ce trou-là. Parce qu'ils voulaient se laver. Des jeunes sont morts dans ce trou-là. Il faut qu'on en parle. C'est très important. Le développement se fait avec des hommes. Et si déjà nous allons perdre nos petits enfants là-bas, ce n'est pas la peine. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais au-delà de ça, notre dispensaire, notre maternité sont là. Il faut qu'on pense à ça. D'accord? J'ai parlé d'école, je viens de parler de maternité, de dispensaire. Je sais de quoi je parle étant donné que quelque part, je me suis impliqué aussi dans la santé. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Avant, dernière question. Qu'est-ce que vous aimez dans le village? On va voir quoi de beau, qu'est-ce qui plaît. Ce qui fait la joie des gens de Tokwe aujourd'hui, c'est d'abord la route. Notre route qui vient de passer, ça fait notre joie. L'autre chose qui fait notre joie, nous avons, c'est vrai, d'école. Nous avons, parce qu'il faut être instruit, nous avons des écoles primaires, secondaires, tout ça. Nous avons des écoles privées également. Nous avons aussi le centre Emmaüs. C'est une grande joie pour nous. Ce n'était pas facile. Je me rappelle de l'histoire de Emmaüs à Tokwe. Emmaüs partait déjà quand certains cadres de Tokwe, Patrice et D'Alfonso Alphonse, se sont retrouvés pour dire « Attention, ça ne doit pas partir » et ils ont pu retenir cela. D'accord? Ça fait aujourd'hui la joie de Tokwe. La joie de Tokwe également aujourd'hui, c'est les sœurs qui sont en train de venir à Tokwe, qui vont constituer un grand centre. D'accord? Voilà les quelques joies, les quelques effets que nous avons à Tokwe. Mais c'est insuffisant. Si les partenaires
peut venir. Tokwe, j'ai dit, nous sommes à la frontière avec le Nigeria. D'accord? Et pour développer Tokwe, hein, il faut que les partenaires viennent pour investir à Tokwe. Merci beaucoup. La dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire aux personnes qui vont regarder la vidéo pour les inciter? Oui. Quel conseil vous avez? J'ai déjà dit, je suis parti des années 1700 pour montrer un peu l'historique de Tokwe. D'accord? Depuis 1700. Nous sommes, ça fait pratiquement plus de 3 siècles que Tokwe existe. Alors, aujourd'hui, Tokwe a besoin de grandir. Tokwe ne doit plus rester à cette étape-là. Et Tokwe, si on peut investir à Tokwe, on bénéficiera certainement des intérêts. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Tokwe. Je souhaite vivement que les gens viennent, qu'ils investissent. Nous aimons les étrangers. Tokwe ne rejette jamais les étrangers. Bien au contraire. Tokwe accueille. Qu'ils viennent, les partenaires au développement. Nous avons accueilli le père, le père Pierre, il est venu à Tokwe ici. L'abbé Pierre. Il est venu à Tokwe, il est resté parmi nous. Nous sommes d'accord? Donc, Tokwe est prêt à accueillir. Tokwe ne se fatiguera jamais de l'accueil. Que les gens viennent, qu'ils investissent. Tokwe, c'est bon. Tokwe, nous souhaitons que le développement vienne vraiment. Merci beaucoup. Okay, bon, merci. Grand merci. Oui. Okay.